Attends, on pourrait y aller à pied, c'est juste en face, quoi. Après, on est aux États-Unis. Hein. Open door. Close door. F5, save, retard bordel. Je deviens bon en gestion de clavier. Hein. Putain, on pouvait vraiment pas y aller à pied? Open door. Close. Non, pas close door. Faudrait peut-être qu'on descende. Hein. Moi, j'aime bien l'idée de ce coup. Le téton coincé dans les sereuses. Je devrais l'appeler comme ça, mon stream. Il y aurait beaucoup plus de monde qui viendrait, je pense. Coincé dans les sereines. Open locker. Drop gun. Pas drop. Si, drop. Ah voilà. Je sais pas, j'ai dû me gourer en tapant. Close locker. La save ici. On est tout prêt à rentrer. Retard bordel. Press button. Aha! Eh hey Sony, viens ici, j'ai quelque chose à te dire. Tu sais, en ce moment précis, l'avocat est dans le coin. Ouais, ok. Alors, give, donc comment ça s'appelle déjà ce qu'on a eu? Inventory. Give no bail warrant. Très bien. Give no bail. Bail warrant. Alors, vous donnez. Au gardien, le no bail warrant, juste à temps, pour garder Monsieur Tasselli, pour éviter que Monsieur Tasselli retourne dans. Bon, retourne dans les rues, attendez, j'essaie de lire le chat en même temps. Tit in a ringer. Ça, ok, ça veut dire être dans une mauvaise situation. C'est foutu dans la merde, quoi. C'est un jeu de mots avec le fait qu'il a un tatouage sur le téton. Tu as réussi à mettre ton copain à show MMM grâce online du coup. Oh, j'ai même pas vu qu'Odel Tour avait join. Honte à moi, bonjour Odel Tour. Bonjour, bonjour. T'arrives pour la fin. Enfin la fin du stream, parce que la fin du jeu, bordel, on n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui. Hein. Mais on a appris une magnifique expression avec le téton dans les soreuses, quoi. Hop. Oh cool, le gardien rigole. J'espère you will slam the old boy orifice shut. J'espère que tu vas fermer son orifice à notre prisonnier. Joue à Dofus. I'll be right back, this is gonna blow his attorney's mind. Je reviens, son avocat va avoir la tronche explosée. J'ai essayé l'appli mobile sur laquelle tu joues Heroes, c'est pas facile de cliquer au bon endroit. Ah mais t'as des gros doigts. Ah bah voilà, c'est ce qu'elle a répondu. Bon, on attend qu'ils reviennent. La célébrité commence à te faire ignorer tes viewers. Exactement. Exactement. Non, j'avais pas vu. Mais je. J'aurais bien voulu essayer de mettre mon emote, mais je crois que. Je sais pas au bout de combien de temps elle sera validée. Une alerte. Vous avez obtenu deux succès, réglés comme une horloge et un de plus. J'ai eu deux succès. Réglés comme une horloge. 25 jours différents au cours des 30 derniers jours, et ben dis donc, mec, that made my day, Sonny. You should have been the guy. Ok, you made my day. Tu m'as fait passer une bonne journée, Sonny. T'aurais dû voir la tronche du mec. Mon emote affilié. Non, mon emote est en attente. Fuck. Alors, hop. Alors, j'espère qu'on aura une emote squelette ou archange. Ah, j'ai essayé de faire quelque chose. He started donc ranting and raving like a little kid who just had his lollipop taken away. Donc il rageait en gros comme un gamin qui en a volé sa sucette. Alors attendez. Alors attendez, je suis obligé là de faire quelque chose, comme on en parle. Alors, nouvelle image. Ajouter une nouvelle source. Il est où? Ah, il est là.
Voilà. On va la mettre là en attendant. Voilà. Incroyable. Genre magnifique quoi. Le truc fait à l'arrache sur Paint. Voilà. Genre j'achète direct, mais non. Ouais, mais en fait, j'ai pas réussi. Parce que, enfin, je sais pas exactement comment on fait, je vais pas vous mentir. J'ai pas réussi, je dois la. En fait, pour envoyer une emote sur Twitch, vous devez l'envoyer en trois résolutions. Donc celle-là, c'est la. Entre guillemets, la grosse résolution. En 112 par 112. La moyenne, c'est du 56 par 56. Ça passe, elle est pas dégueu. Et par contre, la petite, en 28 par 28, je sais pas où elle sera affichée, mais elle est vraiment très moche. Et je sais, j'imagine qu'il y a des logiciels pour réduire un mode HEMM avec cette unité. Peut-être qu'en allant dans les fichiers du jeu, ça se change. Hein. J'imagine. C'est pas hyper complexe. Voilà. Je vais vous la laisser là. Voilà. Mais elle est pas encore. Il y a Photoshop, ouais. J'ai pas Photoshop, mais il va falloir que je trouve un programme qui fait ça de manière pas trop dégueulasse. Je vous la laisse là pour y penser. Alors, on va reprendre l'histoire quand même un peu. He started ranting, donc l'avocat est dégoûté, on a compris. Photofiltre, sinon, ouais, peut-être un truc gratuit, mais pas trop dégueu. Talk, jailer. Mais elle n'a pas encore été validée par Twitch, en fait, l'emote, donc faut attendre. Et j'ai peur qu'ils me la valident pas parce qu'il paraît qu'il faut les enregistrer avec ce qu'ils appellent un fond. Tu peux resize avec squoosh.app. Ouais, peut-être une application qui fait que du resize. Pas trop dégueu parce que. Mais resize sont dégueu. Tiens, on va talk à Tasseli là, lui mettre la honte. Tu sais quoi, porc? Tout ce que tu fais, c'est me retarder du truc. Ouais, on sait. Radio, est-ce qu'on peut. Bon, bah, je sais pas trop ce qu'on a à faire là, du coup, on a réussi. L'avocat est dégoûté. On retourne à notre bureau, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Faire une save déjà. On va l'appeler. C'est pas une app, c'est un site de traitement d'image de Google. Ouais, bah ça pourrait. Donc rien à installer, c'est assez petit. Ah, tu es entre autres graphiste. D'accord. Ah, effectivement, ça peut aider. De quoi il faut que je t'envoie juste le fichier? En plus, je l'ai fait à l'arrache, hein, on va pas se mentir. Comment on va sauver? On va l'appeler Avocat Niqué. Ça me fait plaisir. Avocat Nique. Et puis on va se barrer parce que je sais pas trop ce qu'on peut faire. On a plutôt réussi notre taf là, non? Take gun. Drop. Non. Close locker. Elle va gommer le squelette. Je peux. Oui, non, je suis respectable. Mais le problème, c'est que. Enfin, je vous dis, ça fait pas assez longtemps que je suis sur Twitch pour. Vous confirmez le truc, mais dans Twitch, j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de. Je vais être décevant, mais on peut pas faire d'emotes gratos, malheureusement. Et ça, c'est chiant. Parce que du coup, c'est nul, faut payer pour les emotes. Et voilà. C'est malheureux qu'on puisse pas juste avoir une emote en followant. Donc, c'est un peu le côté qui m'emmerde. Close locker, non, close door. C'est un peu le truc qui me gêne. Non mais moi, vous vous achetez, genre, pour du squelette, c'est rentable. Pour avoir une icône de squelette sur une licorne, vous voulez payer. Vous êtes dingue. Avocat Nick. À la limite, c'est pour me faire un gif. Bon, voilà, ça a du sens, mais. Non mais de toute façon, déjà, faudrait, avant ça. Faut que Twitch me réponde à propos de l'emote, voir comment elle est passée, si elle est dégueulasse, au DL Tour, t'es là régulièrement, au pire je te
leur parlerai. On verra si elle est trop dégueu ou pas. On verra si elle est trop dégueu l'image. Je sais pas trop quoi faire à part retourner au poste là. Donc on va faire ça. On a plutôt réussi notre coup. Faire un rapport, je sais pas. Tout ce que t'as pour cette emote, sérieux. Nimp. Ha. Au pire, on fera avec les modèles d'Ubisoft. C'est pas idiot du tout, ouais. Ok, bon. C'est carrément une bonne idée, ouais. Enfin, de toute façon, on s'en fout. En fait, non, il n'y a pas vraiment besoin des modèles d'Ubisoft parce qu'on veut du. La taille max, c'est du 112 pixels par 112. Et le modèle d'origine, il tient dans du 112 par 112. Donc, je suis pas sûr que ce soit intéressant de prendre les modèles d'Ubisoft finalement. Je suis pas certain. Est-ce que si on a le feu vert? Merde, je me suis trompé de touche. Hop. Fuck. J'ai beaucoup de mal là, j'imagine même pas là, s'il y avait un témoin. Ok, va par là. On est à 129 sur 245, on arrête dans 5 minutes. Bon, je crois qu'on va retourner au poste, voir faire un petit rapport, et puis voilà quoi. Au bûcher. Jamais les skins d'Ubisoft. Hop. Ah, on nous attend déjà, quoi. C'est parfait, donc on va peut-être gagner des points tout de suite. Il semble que Laura nous attend. Vous vous demandez ce qui se passe? Open door. Ah. Attends, Sony, on a du boulot à faire. On a du travail. Ok, allons-y. Alors. Sony, l'un de mes informateurs m'a juste dit qu'un échange de drogue, une vente de drogue va se passer dans le parc de Litton City. Le lieutenant Morgan veut qu'on to stake it out and see what we can do. Bon, en gros, on y va, on voit ce qu'on peut faire, quoi. La police. Go Punk Park. Go Punk Park. Eh ben on y va tout de suite. Hein. Hello, well, cowboy, let's roll. Putain, si j'ai un pneu crevé parce que j'ai pas contrôlé et que je me suis garé 3 secondes. Le parc, je crois qu'il était tout à l'ouest, il y avait plusieurs parcs, mais. Blague à part, j'ai utilisé les postures des animations de HOMM3 pour faire des vitraux qui représentaient chaque faction. Ah, genre, c'est. Là, on fait partie des gens sérieux. Là, là c'est un taf de ouf. Si les postures des animations de HOMM3 pour faire des vitraux qui représentaient chaque faction. C'est dingue. Bah, déjà, pour moi, faire un vitrail, c'est genre, ça impose le respect, parce que j'ai aucune idée de comment on fait un vitrail, en tant que gros inculte. Mais gros respect, là. Les feux rouges, quoi. On est la police, merde. Une demi-heure plus tard. Oh, les feux rouges les plus longs du monde. Ah, ça y est. J'espère juste qu'on va pas se vautrer. Alors, le parc, je dirais qu'il est au nord là. Ouais, il est là. Putain, quelle mémoire. J'espère que c'est celui-là de parc. Je sais pas s'il y en a 15. Oh putain, l'entrée ici. Attendez, hop. Une petite save. Je le sens tellement pas, le stationnement. Si, c'était un parc ici. On était rentré, il y avait que dalle quand on était venu. Hop. Je suis plus doué en dessin proc qu'en vitrail.
Bon, je sens qu'on va se faire casser le fion. Load. Weapon. Ah, j'ai pas le droit, ok. Load weapon. Voilà, au moins on part avec un flingue chargé. Go Punk Park. 11h57. Est-ce qu'on va réussir à régler le problème? Qu'est-ce qu'elle fout dans la voiture, elle? Quel est le problème? Let's get this show on the road. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est là le parc? Non, c'est pas là. On est supposé se cacher, personne ne va jouer à Let's Make a Dope Deal avec vous. Ah ben, on va se cacher derrière un fourré. Là-bas au fond. Je sais pas, moi. On est au bon endroit, manifestement. Ah voilà, on s'est caché dans le buisson, dans les buissons. Avec une bonne vue sur la table. Hein. On est bien caché, hein. Qu'est-ce qu'on attend là? Wait. L'action, la bagarre, ouais. C'est pas gagné là, la bagarre. Est-ce qu'on serait pas assez bien caché? Vous pensez qu'il faut attendre longtemps? Ah! C'était long, ouais. Bon, déjà, il était pas caché dans le même buisson que nous. Vous voyez calmement un homme entrer dans la zone de pique-nique. Incroyable. On fera une save dès que je... Ah, il s'approche avec précaution de la table de pique-nique. C'est lui le meurtrier. On va changer ça pour pique-nique. Voilà, on a une save. Sois patient. Ouais, c'est bon, ça arrive. Quand soudain... Une licorne sauvage apparaît. Je sais pas ce qu'il faut continuer à attendre. La vente de drogue, ça se fait pas tout seul, quoi. Un crossover. On va le voir ou quoi? On attend comme des glands pendant 10 minutes ou on va le voir? Il va pas vendre de la drogue tout seul. On peut faire croire. Ah non, bah c'est bon, on attendait. J'allais dire, on pourrait faire croire qu'on est le vendeur maintenant. Une autre personne approche avec précaution de la table de pique-nique. Est-ce que ça pourrait être son contact de la drogue? De la drogue? By drug. Oui, il a un Marcel. Et Vic, est-ce que t'as été suivi? Non. Non, non, c'est cool. Non, il est midi une. I got the stuff. J'ai le matos. Est-ce que t'as ramené le pognon? Do you have the pognon? Ouais, juste ici. Alors, l'un des suspects. One suspect hands. Ouais, l'un des suspects. Donc, tient dans sa main ce qui semble être une enveloppe à l'autre suspect. Donc là, on peut faire quelque chose. Le second suspect lui rend un petit sac en plastique contenant une substance blanche. C'est de la coke. Hey, man. Hey, je suis pas un enculeur de maman. Alors, ok. Est-ce qu'on doit intervenir? Hop. Ah voilà, j'ai commencé à bouger. Hein. Lorsque vous bougez, une branche sèche craque sous vos pieds. Malheureusement, it's loud crack. C'est un crack
bruyant qui révèle votre présence au suspect. C'est qui? Je sais pas, on devrait partir. Bonjour. Bon, je pense que là, ils vont me dire que j'ai perdu. Oh, tu ne les auras pas cette fois. Le fait de suivre les procédures fait que t'es un gros con. C'est ça, hein, on a perdu? Freeze Punk! C'est complètement ça. Bon, je sais que j'ai dit que j'arrêtais avant midi, mais je voudrais juste voir ce qui se passe quand on fait rien, quoi. S'il n'y a rien à faire, je fais rien. Oh. Putain, ça vaut le coup d'avoir un stream à. Je suis presque à 5 mégas secondes en upload pour envoyer ce nombre incroyable de pixels. Marcher au moment de l'échange? Moi, je suis pas sûr, je pense que quoi qu'il arrive, ils vont se barrer. Ah ouais, sauf que quand c'est posé sur la table. Mais je vais quand même faire crack. Non, peut-être il faut les laisser se barrer et puis on aura des infos sur les mecs. On en suit un ou. Il y en a un qui se barre en bagnole et on le suit. Son pire, il va me dire que j'ai perdu. Ce coup-ci, j'attends. J'arrive pas à me concentrer sur mon taf, j'ai envie de faire des emotes maintenant. Désolé, hein. Je m'excuse. Voilà, le criminel arrive. Ouais, j'avais. Non, non, j'avais bougé. Je me suis dit, tiens, je vais essayer d'aller les voir, ils vont bientôt se barrer. Donc ce coup-ci, j'essaie de pas bouger du tout. Pour voir ce que ça fait. Est-ce qu'on a été suivi? Non, c'est cool. J'ai le matos, est-ce que t'as le pognon, tout ça. Ouais. En fait, pendant tout ce temps, on peut faire des commandes, mais j'imagine qu'il faut rester caché. Donc voilà, la dope. Et haleine de cul, c'est pas assez, où elle reste? Haleine de cul. Alors qu'ils argumentent, vous vous rendez compte que le pusher, il se dit satisfied. Du... Ok, le vendeur n'est pas satisfait par le contenu de l'enveloppe. On laisse, hein, on est un flic passif. Est-ce que je fais un truc genre get down? Raise your hands. Haleine de cul, bah ouais. Get down. Bon, je dois mettre une commande là, on est d'accord. Ah, ok, il semble qu'ils aient résolu leur problème, leur différend. Alors que le plus vieil homme dit c'est un plaisir de faire du business avec vous. Ouais, à bientôt. Et il prend vite la route. Donc là, le but, je pense, nous, on va essayer de le suivre. Casse. Bon, au pire, là, soit on a un message de loose. Un peu lent aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous avez raté votre chance, ces deux mecs sont de l'histoire ancienne. Since you're dead, all you can do is restore a save game or start over. Écoutez! Écoutez, j'ai les mains là. On a avancé aujourd'hui, on a appris quand même. On a appris qu'il fallait faire attention à pas coincer son téton dans une essoreuse. Qu'il valait mieux ouvrir une armoire classeur pour chercher un fichier dedans. Ça marchait mieux, comme ça. On a appris que quand il faut arriver dans un tribunal, il faut dire que c'est important. Et on a appris aussi que quand on voit une photo dans un rapport, il faut écrire take poster pour prendre la photo. Dans le rapport qu'on n'a pas le droit de prendre. Une journée riche en enseignements, voilà, j'espère que ça va vous aider pour le futur.